plupart des anciens chauvinois connaissent ce spectacle. Donc ça raconte un petit peu ta jeunesse au sein de la monnaie municipale à Chauvigny. Mais j'aimerais bien, puisque la plupart des gens le connaissent et les autres vont venir le découvrir le 26, j'aimerais bien qu'on parle quand même du spectacle qui aura lieu le 25 mai, qui est une création à laquelle j'ai eu la chance d'assister. Tu m'avais invité, je suis allé voir et j'ai découvert un spectacle vachement sympa autour d'un... Il n'y a que moi qui parle, mais c'est pas grave. C'est autour d'un sujet qui touche un petit peu tout le monde, de près ou de loin. Toi, de plus près que moi, d'ailleurs, puisque ça touche la vieillesse. Ça parle de la vieillesse. Alors, c'est un spectacle... c'est un spectacle qui s'appelle Les Gravats. Et alors moi, ce qui m'a touché dans ce spectacle, c'est que ça traite d'un sujet pas obligatoirement facile, mais c'est fait avec finesse, avec humour, avec émotion, avec un peu de burlesque aussi. Ça, t'aimes bien, ça. Et puis, voilà, on passe un petit peu du rire aux larmes. Et surtout, alors c'est pas pour te flatter, mais c'est bien écrit et c'est servi par trois comédiens vraiment géniaux, et je veux les citer, Jean-Louis Hourdin, Clotilde Mollet et toi-même. Voilà. Maintenant, je vais te laisser parler. Incroyable. moi, je veux bien un peu de lumière aussi. Ah, merde. Non, parce que quand même, c'est toujours assez, assez particulier et émouvant pour moi d'être là, parce que, effectivement, c'est une aventure incroyable. On va en reparler. J'ai droit à deux fois trois minutes, comme ça. Ouais, on va faire ça. Voilà. Alors, les gravats. Bon, les gravats. Parler de la vieillesse, alors évidemment, je suis concerné, parce que je vieillis à force aussi. Mais on est tous concernés, parce que tu vois, un enfant qui a 4 ans va dire, celui qui a 8 ans, il est vieux, voilà. Donc c'est comment parler de tout ça. Alors nous, on est un collectif de création sur ce spectacle. Il y a Alexandrine Brisson d'ailleurs qui est là, qui est auteur et qui fait partie du collectif. On a créé ce spectacle au Théâtre des Célestins à Lyon, il n'y a pas très longtemps, parce que c'était au mois de mars. Et là, on vient de le reprendre au Mans et tout ça. Et bon, je suis très content que ça te plaise, parce que nous, on est vraiment, mais vraiment très très heureux de jouer ce spectacle. Avec Jean-Louis Hourdin sur scène, qui est un comédien sublime, que j'adore, et Clotilde Mollet aussi, une merveilleuse comédienne. Et c'est comment parler de tout ça. Alors c'est vraiment un kaléidoscope, ce spectacle. C'est-à-dire qu'on se permet de faire vraiment des grands écarts, on peut éclater de rire, c'est vraiment très drôle, ça peut être même vraiment burlesque ou grotesque. Puis après on bascule dans l'émotion, on parle de plein de gens. Bon, moi il se trouve que, comme beaucoup de gens, souvent on est concerné, et puis tout le monde, même quand on est jeune, on a des grands-parents et tout ça. Moi, mes parents sont en maison de retraite depuis 12 ans. Donc ce qui est assez énorme, et à force d'être dans cette maison de retraite, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est pas possible, il faut parler de ça. Il faut parler de ça, parce qu'il y a des choses magnifiques. Quand vous voyez Madame Brun, par exemple, qui a 104 ans, qui serre dans ses bras sa plus jeune fille qui a 84 ans. Non, mais c'est des choses... On peut pas imaginer ça. Et puis, voilà, ça fait 24 ans que sa fille vient lui rendre visite à la maison de retraite. 24 ans. Et l'autre, elle est là. Et parfois, elle lui monte sur les genoux, là, Madame Brun. C'est magnifique. Vous avez cette femme de 84 ans dans les bras de sa maman et avec sa maman qui est un peu parkinsonienne comme ça et qui fait... Oh, c'est magnifique. Et en fait, elles n'ont pas bougé. Elles n'ont pas bougé depuis l'âge de 20 ans. Moi, c'est des choses qui me brassent. Ou alors, quand vous avez M. Rabot, un peu perdu dans cette maison de retraite, qui d'un seul coup sort de la cuisine en pyjama et il est en robe de chambre, alors il y a Julie qui dresse le couvert, qui lui dit mais enfin, M. Rabot, vous venez d'où? Puis lui, il répond mais vraiment offusqué. Il dit enfin, à des toilettes. Oui, ben voilà, c'est ça, c'est la maison de retraite, c'est toutes ces choses-là. Ben alors, c'est comment parler de tout ça? Moi, je vous invite vraiment à venir parce que c'est un. C'est vraiment un moment de partage et de tendresse avec les gens. On peut pleurer dans ce spectacle. Il y a des moments où on pleure beaucoup parce qu'il y a des choses dignes et puis des choses qui sont indignes dans notre société. Donc on essaye de parler vraiment de tout ça. Bon, j'en parle pas, peut-être pas très bien là, mais faut venir quoi. On est là pour vous donner envie de venir. Donc il y a ça. Et puis après, voilà, il y a cette histoire du banquet de la Sainte-Cécile. Alors ça, c'est un truc incroyable. C'est une chose incroyable parce que moi, je suis régisseur de métier. Bon, évidemment, j'ai vécu à Chauvigny pendant un peu plus de 20 ans. Et quand je suis parti de Chauvigny, en fait, je n'ai pas cessé de parler de Chauvigny. C'est-à-dire que j'ai quitté Chauvigny et aux copains régisseurs, aux metteurs en scène, je disais toujours à Chauvigny. Et puis voilà.
Et ce spectacle est né comme ça, mais d'une façon incroyable. C'est des fois des articles de journaux de titre « Comédien malgré lui », mais c'est ça. C'est-à-dire qu'à force de raconter ces histoires, on m'a dit « mais tu devrais en faire un spectacle ». Et tout le monde a dit « ouais, bon ». Et on a créé ça en 1994. Et je me rappelle de François Château qui m'a aidé en œil extérieur. Il y a plein de gens qui m'ont aidé sur ce spectacle. Et m'a dit « tu sais, ça peut être un choix de vie ». Mais loin de moi de penser ce que ça allait devenir. Parce qu'effectivement, depuis 1994, on joue tout le temps et on joue partout. Mais vraiment partout. Je joue encore on a inauguré la maison de Philippe Avron il y a 15 jours, là on y était. Avec ces histoires d'harmonie qui sont des histoires d'enfance, parce que moi j'étais à l'harmonie municipale ici, à Chevigny, entre 9 ans et 15 ans. Et voilà, et je parle de ça. C'est simple, on en est à la millième. Donc c'est une aventure incroyable. 1000 représentations autour de ce spectacle. On s'était promis avec Isabelle, la présidente de l'harmonie, on s'était croisé, elle m'a dit oh, la millième, c'est à Chevigny. Je dis bah oui, évidemment, c'est à Chevigny. Et on va essayer d'inventer plein de choses. Tu n'es pas au courant de tout, mais nous, on est en train d'organiser des trucs incroyables. On va faire spectacle. Moi, je rêve qu'on fasse un vrai banquet à la fin avec tout le monde, que le lendemain, on fasse le spectacle en vrai dans la ville de Chevigny, c'est-à-dire qu'on aille au monument aux morts avec l'harmonie, qu'on monte à la ville haute, qu'on monte faire une visite guidée décalée. Tu vas voir. C'est comment on peut inventer avec vous, voilà, ces deux jours, à la fois le spectacle et le lendemain, ce qu'on peut inventer ensemble. Moi, c'est... Puis je vais essayer de demander à tous ceux qui ont joué dans l'harmonie de venir jouer. Bon, voilà. C'est symbolique. 1000, c'est pas rien dans l'histoire d'une vie d'un comédien et même d'un spectacle. Et voilà. Moi, je suis vraiment... je suis vraiment extrêmement content d'être là. C'est difficile de parler de ça, mais... Mais voilà, c'est une merveille pour moi. Merci Jean-Pierre. Merci.